Alors, la MFR de Semur en Auxois propose des formations de la 4e au BTS agricole, 4e, 3e par alternance avec des stages tout métier destinés à aider les jeunes à trouver leur orientation. Puis après la 3e, une formation Bac Pro, conduite et gestion d'une entreprise du secteur canin et félin, un BP, brevet professionnel éducateur canin, et depuis 3 ans, un BTSA, technico-commercial, option animaux d'élevage et de compagnie. Les secteurs qui recrutent actuellement sur l'élevage canin et félin, les commerces associés, animalerie, sont essentiellement les salariés de pension canine, les salariés d'élevage canin aussi quand même malgré tout, le secteur du toilettage, le secteur des assistants vétérinaires, et puis on a un fort engouement aussi depuis ces 2 dernières années sur les métiers liés à la sécurité, les métiers de l'armée, de la gendarmerie, des douanes, et puis bien évidemment tous les métiers de commerce, d'accessoires, d'alimentation, de produits pour chiens, chats, petits animaux, nouveaux animaux de compagnie. L'objectif de la maison familiale est de travailler avec chacun des jeunes un projet et surtout de faire en sorte que chacun, après sa formation, après ses stages, qui sont très nombreux dans une formation par alternance puisqu'ils représentent plus de 50% du temps en entreprise, c'est de faciliter bien évidemment l'employabilité de ces jeunes et de faciliter la recherche d'emploi. Et aujourd'hui, on constate qu'à la sortie de la maison familiale, environ 70% des jeunes peuvent être au travail sans rencontrer de réelles difficultés. On accueille en général entre 200 et 215 élèves par an, toutes classes confondues, de la 4e au BTS.